Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu un peu dans le style Le Normand, Café Lineboy. Alors, je ne sais pas sûr je prononce bien son nom. Donc, je vous mets sa carte, voilà. Alors, c'est un jeu autopublié et c'est une Australienne. Et c'est un jeu autopublié que j'ai bien aimé. Alors, j'aime bien sa taille tout d'abord parce que vous allez voir que la taille, c'est la taille des petits jeux de cartes, hein, normal. Il n'y a pas de, c'est pas des grandes cartes. Par contre, il n'y a pas de petit livret qui est fourni et envoyé avec le jeu. Méline nous envoie par mail. Elle nous fait un mail et dans ce mail, voilà ce que l'on reçoit. Donc, on a toutes les cartes qui sont détaillées. Donc, il y a les 36 cartes qui sont détaillées. Bon, c'est en anglais, donc il faut traduire. Bon, après, il y a beaucoup de cartes. Vous allez voir, elles sont parlantes. Il n'y a pas besoin de trop parler. Elles sont livrées dans une petite pochette en organza rose. Et voilà le dos des cartes. Les cartes, ce sont donc c'est le dos, c'est tout des fleurs. C'est très coloré. Et vous voyez, les cartes sont petite taille, hein, puisque ici on voit avec ma main. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant les cartes. Donc, alors, je vous ai mis la carte de la mort en premier, mais je la trouve mimi. C'est vrai, les cartes de mort, à chaque fois, on en a toujours peur. C'est vrai que, bon, il y a une tête de mort, elle fait peur, mais en fin de compte, si on regarde, elle est mignonne, cette petite fille en dessous, là, cette jeune fille. Moi, je l'aime bien, celle-là. Voilà. La carte du bateau. Le papillon. Le trèfle. Vous voyez, c'est des images qui sont très simples. On va directement au sujet. Hein. La main de Fatima, donc une carte de chance. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des cartes qu'on retrouve dans le Normand classique, mais elles sont parlantes et elles complètent bien, je trouve. Là, la poignée de main, donc l'association, les contrats, tout ça. Le cœur. La maison, représentée par une petite roulotte, la pendule, le chien, il ressemble étrangement au petit copain de Tintin, la colombe, le serpent. L'étoile, la roue, le poignard, la lettre, la clé. Le poison, l'anneau, la chouette ou le hibou, le phénix. Très l'oiseau qui peut représenter beaucoup de choses. Hein. Les poissons, le renard enquêteur, l'hélice, très jolie l'hélice, l'encre, les oiseaux, le bouquet. La bouteille brisée, le cœur brisé, le miroir brisé évidemment, la femme,
l'oracle, le roi, l'homme, la femme, et l'avant-dernière, la violette, et le tournesol. Voilà, je vous ai présenté donc son jeu. Alors, ce jeu, elle le nomme Aquarius. C'est le Normand. C'est un jeu le Normand. Elle a fait aussi également un jeu. Je vous le présenterai aussi parce que je l'ai. Toujours auto-publié. Avec des animaux, un peu animaux totem. Même format que celle-ci, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter ce jeu. Je remets la petite carte que j'aime bien devant parce que je la trouve mignonne. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez fait découvrir ce jeu. Si vous voulez en connaître plus sur Lynn Boyle, et bien, elle a une page Facebook, donc vous pouvez aller la retrouver sur Facebook et découvrir tous les autres jeux qu'elle a fait, parce qu'elle en a fait pas mal, hein, des jeux. Donc, allez la découvrir. Voilà, et bien écoutez, à une prochaine vidéo. Au revoir.